pense que cet anniversaire est un grand événement, d'autant plus que le parti pour lequel l'événement est consacré est un des plus grands partis du Congo, si pas le plus grand de la République démocratique du Congo. Donc, et en plus, c'est le premier anniversaire que nous fêtons sans notre président. Nous, à l'UDPS, on est habitués à ce genre de mouvements. Les départs, nous les avons connus depuis la création de notre parti. Ici, nous nous trouvons à la maison. C'est comme dans une famille. Un enfant, vous retrouvez un enfant dans un endroit éloigné éloigné dans un endroit où il dit non, moi je suis enfant de cette famille-là, j'ai amené toute la famille avec moi ici. Posez-lui la question, mais pourquoi vous avez quitté la résidence familiale? Donc ça veut dire que c'est un enfant qui est en divagation. Les autres sont en divagation comme d'habitude, comme depuis la création de notre parti. Il y a eu toujours les départs. Je n'aimerais pas me mettre à citer tous ces départs. C'est ça la situation. L'UDPS est ici à la permanence. Celui qui veut vraiment se prétendre dire qu'il est le dépositaire de cette marque qu'est l'UDPS, c'est ici à la permanence qu'il devait venir réclamer ce titre-là. Vous savez, quand on doit organiser un congrès, surtout après la disparition de notre illustre président, il y a beaucoup de conditions, beaucoup de critères et beaucoup de choses à mettre en place pour un passage en douceur, une passation de pouvoir en douceur. C'est ce qui a fait que l'équipe qui organise a mis, essayé de peser les pour et les contre des dates, des moyens, d'endroits, de critères, ainsi de suite, pour ne pas frustrer certaines sensibilités. Nous n'avons pas deux UDPS, nous avons un seul parti, UDPS, qui est ici. Les autres qui sont en divagation n'ont aucun pouvoir sur le rapatriement depuis du président. Ce qui veut dire que, d'abord, la famille Aimoadi, famille biologique et famille politique. Famille biologique, elle est connue. Maman Marc, à qui je présente mes respects, et tous les enfants du feu de notre président. Et ensuite, il y a la famille politique et l'UDPS. Vous êtes ici au temple de l'UDPS. Et si le corps n'est pas encore répatrié jusqu'aujourd'hui, je sais que c'est le pouvoir qui a peur. Que, vous savez, tu sais qu'il dit vivant, mort. Mort devient encore plus mordant que vivant. Donc, ils ont peur que ce corps arrive ici et que les choses puissent se basculer dans un sens non favorable pour eux. J'ai suivi quelqu'un démontrer que dans le calendrier publié par Malmalou, il parlait très bien d'impression des bulletins. Il ne parlait pas de machine à voter. Alors, lui-même commence à violer lui-même les calendriers qu'il a sortis avec des dates impression du bulletin. Alors maintenant, ce n'est plus impression du bulletin, ça devient installation de machine. Alors, c'est à lui de nous expliquer pourquoi, à la place du bulletin, il amène la machine à frauder. Nous sommes prêts pour aller aux élections, mais les bonnes élections, pas n'importe quelle élection. Il y a la CENI qui n'inspire pas confiance, qui depuis le balayer jusqu'à la tête, tous des kabylistes et PPRD, ainsi de suite. Alors comment pouvons-nous accepter qu'une CENI comme celle-là, avec machine à frauder et tous les coups, qu'on puisse aller aux élections? Mais nous sommes prêts à y aller parce que nous avons souscrit à participer aux élections. Nous avons toujours parlé de la transition sans Kabila. Alors la forme, c'est les Congolais qui vont présenter la forme de ces 100 Kabila.
Donc, si sans Kabila ça passe par ces mécanismes dont tu viens de faire allusion, ben, nous suspirons. Mais le retardement, est-ce qu'il faut y aller très vite pour cautionner la fraude qui est mise en place, ou il faut bloquer la machine avant que les dégâts soient causés? Nous avons perdu, il y a eu mort d'hommes depuis la création de notre parti. Peut-être les autres voient la mort d'hommes maintenant, mais nous, c'est depuis 82 que nous avons tout un registre qui pourrait dépasser ces volumes ici, des morts d'hommes. Et ne sont pas les derniers, il y en aura d'autres. Mais pour nous, la mort d'hommes, ici, on avait exposé 6 corps, vous vous souvenez, et nos membres. La mort d'homme, on en connaît, nous. C'est regrettable. Nous continuons à lutter pour que ce genre de situation puisse cesser en République démocratique du Congo. C'est un état des droits qui va venir vérifier, révisiter tous ces massacres que nous avons vécu. Ils arrêtent tous les jours. Il y a des gens emprisonnés sans raison. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui persiste, qui persistera toujours. Et nous appuyons tout mouvement qui milite vers l'instauration d'un état de droit. Nous souhaitons nous-mêmes un bon anniversaire de ce parti qui a dépassé. Je vous assure que c'est le plus grand parti en République démocratique du Congo et aussi le parti le plus représenté à travers le monde, puisque j'en connais des représentations en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs. Donc nous sommes là avec un héritage précieux de notre président, le docteur Étienne Tshisekedi. Nous sommes contents de continuer la lutte.